كريم الله 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 سبحان الله 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 سلطان الله. يا ربي أنت السلطان نحن عبيد. أعوذ بك من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله ولا هو أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيع الله أطيع الرسول والأولي الأمر منكم. دستور مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء. دستور مدد مدد يا صاحب الإمداد. مدد مدد الحق. أطيع الله أطيع الرسول والأولي الأمر منكم. Louange à Allah qui nous a accordé une nuit honorée. Une nuit sur laquelle niyat al-mawlid al-sharif, l'intention pour la récitation d'un mawlid en l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La récitation du mawlid pour le ours, pour le rappel, la mémoire de notre cher, c'est notre cher Mohammed Nazim al-Haqqani, qui nous a quittés maintenant sur le mois de Rajab, sur son début, il y a 8 années. Aulia Allah, ils sont comme des étoiles de guidance. Comme le prophète Abdallah Salatu Wassalam a dit, lorsqu'il a dit Ashabika Nujum, Sahab al-Kiram, radiallahu anhu arda, c'était la génération des Awliya à qui on a accordé également le statut de Sahab, des compagnons. Un statut dont personne ne peut mesurer la grandeur, dont personne ne peut mesurer l'honneur. L'honneur, c'est l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La grandeur, c'est la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment Allah Azza wa Jal l'a honoré, l'a élevé, l'a louangé, a parlé de son caractère, a parlé de sa, l'a évoqué à maintes reprises dans le Saint-Coran. Comment Allah Azza wa Jal l'a honoré parmi tous les honneurs. Comment Allah Azza wa Jal lui a attribué ce qu'il n'a attribué à aucun autre serviteur. La dernière fois, nous parlons de l'histoire que notre mère, Haja Amina, Antum, Kadassarawfirha, qui a l'épouse de Maulana Sheikh Nazim, qui a écrit beaucoup sur l'Anbiya, sur l'histoire des prophètes, et qui a écrit également sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a raconté une histoire à propos de Sayyidina Khidr alayhi salam et Sayyidina Ilyas alayhi salam. Quand Allah Azza wa Jal leur a accordé la longue vie, tous les deux, à peu près dans le même temps sur l'histoire, tous les deux ont vécu sur terre et pendant 1000 ans, ils ont fait ibad. Et quand ils ont fait Ibad pendant 1000 années, ils ont demandé pendant ce 1000 ans, Ya Rabbi, accepte notre dua. Ya Rabbi, accepte notre dua. Ya Rabbi, accepte notre dua. Et après 1000 ans, Allah Azza wa Jal leur a demandé, quelle est votre dua? Qu'est-ce que vous voulez, les serviteurs?
Ils ont dit, on veut que nous soit accordée la sourate al-Fatiha. Allah Azza wa Jal, il a dit, ça c'est pas pour vous. Et ils ont eu un autre 1000 ans. Et pendant ce 1000 ans, ils demandaient encore, accepte notre doa. Et ils ont eu un autre 1000 ans. Et quand ils ont atteint 3000 ans de ibadah, ils ont demandé à Allah, accepte notre doa. Il leur a demandé, quel est votre doa? Ils ont dit, on veut la Fatiha. Allah Azza wa Jal, il leur a dit, aujourd'hui, je peux vous l'accorder. Allez voir mon bien-aimé. À lui a été révélée la Fatiha. Ils sont allés. Et ils ont demandé. Ils sont allés, ils sont venus ensemble. C'est d'après le Seyyidina Ilyas, voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont assis, ils ont dit, on veut la Fatiha. Allah nous l'a accordé par ta bénédiction. Et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a récité la Fatiha. Et quand il a fini la récitation, il a dit « Amin ». Et tout de suite, ils ont dit « Ya Rasulallah ». Dans la Fatiha, il manque 6 lettres de l'alphabet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Ahsan ». Il manque 6 lettres, Allah a retenu 6 lettres parce que sur chacune de ces lettres, il a mis un océan particulier. Et quiconque récite la Fatiha, il reçoit le bénéfice de cet océan. Un océan sur Sayyidina Jibril, un sur Sayyidina Michael, un sur Sayyidina Azrael, un sur Sayyidina Azrael. Il y a beaucoup de choses. Après, il a mis un océan sur Sayyidina Abu Bakr, un sur Sayyidina Omar, un sur Sayyidina Osman, un sur Sayyidina Ali. Celui qui récite la Fatiha, il a ce bénéfice. Après, ils ont dit, « Ya Rasulallah, tu nous as enseigné la Fatiha, mais Amin ne fait pas partie. Parce que Allah Azza wa Jal, il leur a donné la connaissance. Pourquoi alors nous devons dire cela? Et il leur a dit, Amin, parce que sur le Alif, le Mim, le Ya et le Nun, Allah Azza wa Jal aussi, il a mis sur chacune de ses lettres des océans. Et il a commencé à énumérer les océans. Et ils ont dit, maintenant qu'on a eu la Fatiha, on peut demander à notre Seigneur de nous rappeler à lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non. Maintenant que vous l'avez, vous devez veiller sur ceux de ma nation. Alors c'est pour ça, ces deux prophètes, ils parcourent la terre constamment, sous l'apparence d'hommes normaux, parce qu'ils ont perdu leur prophétie. Il ne peut pas être un prophète sur le temps de Sayyidina Muhammad Abdallah Salatu Wassalam. Et pour pouvoir arriver jusque-là, lorsqu'ils sont rentrés dans l'air, ils ont abandonné leur prophétie. Et cette histoire nous rappelle l'importance que Allah Azza wa Jal a accordé au prophète Abdallah Salatu Wassalam. Et s'il nous était donné de faire la louange sur le prophète Salatu Wassalam, toute notre existence, tous ensemble, sur chaque respiration, sur chaque battement de cœur, par chaque mouvement, c'est pas assez pour honorer les honneurs qui lui ont été accordés, parce que Allah Azza wa Jal lui-même, il dit, Allah et ses anges font la louange sur lui. Alors, nous n'avons pas eu comme serviteur de cette Ummah, nous n'avons pas eu l'honneur d'être les serviteurs qui ont accompagné le bien-aimé d'Allah.
sallallahu alayhi wa sallam. Cet honneur a été réservé à une génération. Mais nous, comment nous rapprocher de cela? Comment nous rapprocher de cela? Un jour, il y avait dans le village de, je pense, Kasr Arifan, pas loin de Bukhara, il y avait un homme dédié, très pieux, au iman incommensurable, un croyant profond. Et un jour, alors qu'il était dans le Munajat, il était dans la litanie, dans l'invocation avec son Seigneur, il aimait tellement son Seigneur, il aimait tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ya Rabbi, comment nous, on a été... Comment on a été, on n'a pas eu l'honneur et le privilège de pouvoir être de son temps, de pouvoir le regarder, de pouvoir l'aimer, de pouvoir l'accompagner, de pouvoir le servir, de pouvoir le défendre. Et il était tellement sincère dans sa demande, il disait, Ya Rabbi, nous n'avons pas pu l'accompagner, comment peut-on le rencontrer? Et Allah Azzawajal, alors qu'il s'est couché, lui a envoyé un rêve. Il a dit, si tu veux le voir, regarde-le. Et il lui a fait apparaître un visage sublime. Un visage particulier, sublime, lumineux, étincelant. Il s'est levé, il a pris son kalam et avec dans un ouvrage, il a écrit son rêve et il a commencé à faire la description méticuleuse de du visage qu'il avait. Et le temps a passé. Et toujours, il était désireux de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, alors qu'il était en voyage, il était arrivé à Bukhara, à côté. Il a croisé Shaul Naqshband. Et dès qu'il l'a croisé, il est rentré dans un hall. Il a senti un état dans son cœur et il a senti une effluve d'un parfum qui était littéralement enivrant, qui subjuguait, qui hypnotisait les sens. Et il l'a suivi et il lui a dit, oh, cher, qui es-tu? Il y a quelque chose qui émane de toi. J'aimerais te recevoir chez moi. J'accepte. Allons-y. Et comme Jean Archibald était plus âgé que lui, peut-être 20,
25 ans avaient passé depuis son rêve. Il ne pouvait pas marcher à côté. Donc il s'est mis à marcher derrière. Mais, si tu dois montrer, surtout quand tu rentres dans la vieille ville, les dédales des rues pour aller, c'est également difficile de dire « va à droite, tourne ici, après les shops, va ici ». Georges Schumann marchait devant, lui il marchait derrière, et sans lui donner l'indication, Georges Schumann prenait le chemin jusqu'à arriver devant chez lui. Il était perplexe. Et il est rentré. Et là, il l'a reçu, il a fait venir sa famille, il a préparé un repas. Charles Archibald, il a dit, je suis tellement honoré de te recevoir chez moi. Qui es-tu? Il a dit, je suis celui que Allah a envoyé pour toi. Et là, Sharon Akshuban s'est dirigé dans la maison vers un endroit où il y avait quelques recueils. Il a sorti son carnet, il a ouvert la page, il a dit « Tu te souviens ?» Il était perplexe. Il a dit « J'ai raconté ça à personne. » Il a regardé et là, il s'est souvenu. Et alors qu'il a commencé à lire la description, la vision lui est revenue et il s'est rendu compte que celui qu'il avait vu dans le rêve était Sénachar Narchevat. Et Allah Azzawajal l'a fait rencontrer à défaut de pouvoir le mettre sur le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait rencontrer celui de son temps qui porte la ce qu'ils appellent Ruh Muhammadi. Ruh Muhammadi, c'est une lumière qui sans elle, la création ne peut pas avoir de vie. Et elle est portée par un serviteur. Allah. C'est ça qu'il y a eu sur le front de Sayyidina Adam, alayhi salam. C'est ça que quand Shaitan, Saïd Billah, Iblis, il a vu ça, il est devenu fou. Il a perdu la raison. La colère, l'envie a fait monter l'écume sur sa bouche. Parce qu'il savait que c'était le trésor des trésors. Et lui, qui avait fait autant, il n'a pas eu. C'est Na'adam alayhi salam, que personne ne connaissait, qui était la nouvelle créature, venait d'être honoré avec cette lumière. Et cette lumière, grand cher disait, elle doit être transmise toujours sur un être vivant. Et les prophètes, les messagers, les prophètes l'ont porté l'un après l'autre. Jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son arrivée dans ce monde. Qui était le possesseur, comme ils disent nos amis saoudiens, original. C'est pas une copie. Et quand il a quitté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah il a honoré l'autre monde par sa noble présence, cette lumière qui assure la stabilité de la vie des créatures, elle a été transférée sur la réalité d'un compagnon. Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. Et on dit, à chaque génération, Sultan ul-Awliya, il y a une fonction, le sultan des saints,
Il porte cette lumière et Grandcher décrivait, il dit c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il disait, j'ai un visage avec mon Seigneur et j'ai un visage avec vous. Il est comme une station de transformation. Comme il disait, Maulana Cheikh, il décrit beaucoup avec des images comme ça. Il a dit, si vous allez prendre l'énergie de l'abbé James et vous voulez plugger votre téléphone dessus, ça ne va pas juste brûler le téléphone, ça va brûler le téléphone, vous et tout ce qu'il y a autour. Avec la quantité de mégawatts qui sortent de ces... Alors que le téléphone, il prend quelques watts. Non. Elle dit donc, ça prend une station intermédiaire de transformation. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a cette fonction d'interface des tajalli qui descendent. Il y a une partie de ce qui descend qui est imprimé sur lui pour rayonner sur ce qu'il y a en dessous. Et mon grand cher, il disait, la réalité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, également, il a un sultan al-awliya, il est comme une interface qui regarde constamment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui regarde le reste des Awliya. La fameuse fonction que Sayyidina Cheikh Abdel Kader Gilani, lorsqu'il a dit, mon pied est au-dessus du cou de tous les Awliya. Il avait une fonction où il regardait, et ce qui émettait de lui est transféré sur la hiérarchie des Awliya. Oh, wow. Alors, il lui a dit, je suis la réponse à ta question. Tu as été sincère et ton Seigneur m'a envoyé. Je suis celui qui marche sur cette terre, qui est le plus proche de celui que tu cherches. Alors, qui nous cherchons? Nous. Qui nous cherchons alors que lorsqu'on nous questionne sur notre quotidien, nous savons ce que M. Trudeau a dit, ou nous savons ce que Jeff Bezos a dit, où nous savons ce que, comment il s'appelle le footballeur, Messi a dit, où nous savons ce que le patron de Si a dit, ce sont nos centres d'intérêt. C'est Nakhedan alayhi salam, il marche sur cette terre tous les jours, depuis que nous respirons. Qui l'a rencontré? On peut conter bien des histoires aux gens. On ne peut pas se mentir à nous-mêmes. C'est Naïlias, alayhi salam. Il marche sur cette terre. Qui l'a rencontré? C'est Nalmahdi, alayhi salam. On dit qu'il est arrivé et il se prépare. Qui l'a rencontré? Aulia, 124 000. On les a rencontrés. Alhamdoulilah, on a eu le privilège d'en rencontrer un ou deux ou trois. Mais les autres, pourquoi? Parce que notre désir, il n'est pas là. Allah Azzawajal, il a dit, je suis comme mon serviteur espère de moi. Et Maulana Cheikh, il nous disait toujours, comme vous espérez de votre Seigneur, il sera, comme vous espérez de votre prophète, il sera,
Et comme vous espérez de nous, on est sous ordre d'être pour cela. Si vous espérez de nous hautement, on sera haut pour vous. Si vous pensez à nous, c'est parce qu'on pense à vous. Et faites l'effort de penser à nous. Si votre cœur est préoccupé par Netflix, par Facebook, Facebook c'est vieux maintenant, c'est pour les dinosaures. TikTok, voilà. TikTok. Hein. On cherche un expert TikTok là, parce qu'ils disent vous faites le broadcast sur Facebook, c'est pour une vieille génération. Si vous voulez atteindre la nouvelle génération, il faut passer sur TikTok, c'est ça? C'est ce qui nous intéresse véritablement. Le désir ardent, ce désir passionnel de l'amoureux, est-ce qu'il nous habite vraiment? Alors, ce soir, Ours, de Maulana Cher, pour honorer sa mémoire, c'est Aulia, si rare aujourd'hui. Et pour honorer sa mémoire, il n'y a pas d'honneur que l'humain fait si l'intention fondamentale n'est pas pour Sayyidina Muhammad. Vous voulez atteindre le plaisir d'Allah. Vous donnez la nourriture à la Hubb Rasul, pour l'amour du prophète. Vous voulez faire plaisir à Allah. Tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes à mesure d'accomplir, tout ce que vous êtes à mesure de donner, dédiez-le pour l'honneur du prophète. Et là, non seulement vous multiplierez le bénéfice de ce que vous avez fait, mais vous aurez également la satisfaction, le rida d'Allah Azzawajal, qui, pour son serviteur, a choisi ce lien avec son bien-aimé comme le lien le plus magnifique. Alors, nous dédions humblement l'effort de pouvoir se rassembler pour célébrer en l'honneur de Maulana Cher à travers la récitation de Maulid Sharif pour Sayyidina Mohammed Abdallah Salam. Qu'Allah Azzawajal accepte qu'il nous accorde d'être parmi ceux et celles qui sont inscrits comme les aimants et les amoureux du prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il nous accorde pour ceux et celles qui aiment et qui suivent les Awliya al-Kiram. Les décrets salihin tanzil rahma. Et qu'il nous accorde de leur regard et de la miséricorde divine qui descend parce que leurs noms sont mentionnés. Et la Hadratina bil Fatih.